John. Ah, three sweet swash was. I hit with the yes I can. Yes, I can. Real quick, right back. Right. I know what I'm gonna do. Bonsoir à tous, bienvenue à Reims, bienvenue au stade Auguste Delaune pour les deux derniers matchs du groupe A, qui se joueront pas même endroit bien sûr, à l'affiche Corée du Sud contre la Norvège. L'Allemagne, la Chine et l'Espagne sont qualifiés pour les huitièmes de finale, même la Chine, et oui. Quelques instants, nous ferons un point sur le classement du groupe A, même si c'est pas très difficile. La France, on verra après, contre le Nigeria. Les hymnes, on se retrouve juste après. La composition de la Corée du Sud pour ce dernier match du groupe A pour les deux équipes. Kim Min-jung est évidemment dans les buts. Avec quelques changements du côté norvégien quand même. Yo-min-ji devant Ji-soo-yoon en pointe sur les ailes Kang-chi-rim et Lee Jung-min. Place pour le groupe A. La France est première avec 6 points et qualifiée. La Norvège est troisième et deuxième pour avec 3 points. Suite à sa défaite contre la France, le Nigeria est aussi troisième avec 3 points. Et la Corée du Sud est dernière avec aucun point sur 2 défaites consécutives. Donc le Nigeria pourrait créer la surprise et pourrait passer devant la Norvège ce soir. Donc évidemment, des victoires contre la France. Mais bon, on n'en est pas encore là. En tout cas, on n'espère pas. Attendez la composition de la Norvège maintenant. De Martin Sjørgen. Avec évidemment toujours Jensen dans les buts. Utland cette fois-ci est titulaire. Erlovsen et Graham Hansen. Graham Hansen en pointe sur les ailes. Reiten et Utland. Coup d'envoi de ce Corée du Sud Norvège. Le dernier match des deux équipes, la Norvège va sans doute être qualifié, mais la Corée du Sud, c'est pas sûr. Donc il faut tout donner pour aller chercher la première place pour la Norvège. Et c'est le sous l'honneur pour la Corée du Sud. Kang-chi-rim qui ne passe pas face à Bowold, c'est bien défendu. Yelde, l'interception de Shizoyun. Yeonmi. Chang Zelji. Cho Soyun, bon ballon pour Shizoyun et le but. Très rapidement, la Corée du Sud ouvre le score à la 4ème minute. Sur une superbe passe lumineuse, et Ji-soo-yoon qui ouvre le score très rapidement. La Norvège vient de se faire surprendre et vient de se faire endormir pour la rapidité des Coréennes. Alors là, t'attendais à tout sauf à ça. Quelle passe! Ji-soo-yoon qui part directement, personne pour la gêner, n'est pas hors jeu. Et Yelmsen qui peut strictement rien faire. Quel début de match en trombe des Sud-Coréennes! Alors là, si la Norvège devait s'incliner pour la deuxième fois consécutive après la France, ça serait une grosse surprise. Et quel but de Ji-soo-yoon qui n'a pas hésité une seule seconde. Et ça relancerait le groupe là, forcément. Même si la Corée aurait que 3 points. Parce qu'elle n'a pas gagné un seul match et même pas fait un nul. Mais attention, la Norvège là a intérêt à se réveiller parce qu'elle va se faire endormir justement par les Sud-Coréennes qui ont été très rapides. Donc voilà, contact, il n'y a pas faute, le jeu continue et la touche est norvégienne. Quel excellent début de match des Coréennes, on ne peut pas dire le contraire. Borissa, passe ratée directement en touche. Ah oui, ils ont pris un coup sur la tête, les Norvégiennes, forcément, n'arrivent plus à faire ce qu'elles veulent. Shim Dam-yong, Kim Do-yeon, Cho So-yoon, Chang Zel-ji, Ji So-yoon parfaitement lancé encore. La buteuse, Chang Zel-ji, Lee Jung-mi. Jung-min qui est au point, non, l'interception de Mowold, heureusement. Yelmset qui rate son dégagement, qui rend le ballon aux Coréennes. Non, contrée. Corner. Non, 6 mètres. Non, corner, c'est pas ce que je dis.
pour la Corée du Sud. On va revoir le but de Chi So-yoon sur la première frappe du match. C'est imparable. Même pour William 7. On s'était bien s'y mettre. Voilà, les Norvégiennes qui n'arrivent même pas à avoir d'occasion, qui n'arrivent même pas à dépasser leur ligne. Franchir la ligne médiane pour aller du camp adverse. Pour l'instant, c'est bien la Corée qui domine. Graham Hansen, Borissa. Toris de tir. Le long ballon pour chercher Graham Hansen. C'est repoussé. Et Moonbira qui récupère le ballon. Tim Damien Yang. Le long ballon loin devant pour chercher Lee Jung-min. C'est fait. Yo Minji qui se débarrasse de Toris de tir. Le centre pour Chi So-yoon. Non, c'est bien défendu cette fois-ci. C'est dégagé. Et ça revient sur une Coréenne quand même. Moonbira. Chi So-yoon. Kang Chi-rim. La frappe de Kang Chi-rim qui passe au-dessus. Sans aucun problème pour William 7 cette fois. Mais la Norvège n'a toujours pas eu d'occasion. Elles étaient proches de la surface. Le ballon est juste devant. Même si elles étaient proches de la surface, les Norvégiennes il y a quelques secondes. Ben non. Pour l'instant, toujours aucune frappe à signaler du côté norvégien. Et déjà deux du côté coréen. Ce qui est assez paradoxal. Quand on sait très bien que la Norvège est largement meilleure que la Corée du Sud. Et pourtant, c'est elle qui est menée. Cho So-yoon, Moonbira, Yeon-mi, Kang Chi-rim, non, l'interception avec Borissa, Engen, Graham Hansen, Erlovsen, Toris Dotir, Borissa, Erlovsen, Graham Hansen, Utland qui va chercher à centrer, Utland toujours, le centre pour Engen, non, c'est bien défendu, c'est repoussé, Yeon-min-jin qui peut partir en contre-attaque, Kang Chi-rim, Chi So-yoon, Yo Minji parfaitement lancé tout seul. Le face à face avec Yelm 7 et le deuxième. Et le deuxième but de la Corée du Sud. Elle n'a même pas bougé Yelm 7. Et ça fait 2-0 à la 21e minute pour la Corée du Sud. À la surprise générale, il faut bien le dire. La Corée qui relance totalement son parcours peut-être en s'imposant devant la Norvège. Mais là, Yelm 7 n'a même pas bougé. Regardez-moi ça. Et ça fait 2-0 pour la Corée du Sud. Et la Norvège n'a toujours aucune occasion de se mettre sous la dent. Alors là, c'est un match littéralement en sens unique du côté sud-coréen pour l'instant. Et Yo Min-ji, deuxième buteuse du soir. La Norvège qui n'arrive même pas pratiquement pas à mettre le pied sur le ballon en ce moment. Ça fait déjà 2-0 pour la Corée du Sud. Ce qui est très surprenant quand même, la Norvège qui a pourtant si bien commencé pour son premier match au bâton le Nigeria 3-0. Et bien là, elle se prend la poussière. Certes, elle a perdu 2-1 contre la France. Et là, contre la Corée, c'est quand même surprenant. Hors jeu. Du côté norvégien, on va voir ça. Oui, il y a bien hors jeu. Même si ça se joue à quelques centimètres. Il y avait bien hors jeu de Rayton. Le ballon perdu encore par les Norvégiennes. Yo Min-ji, non, cette fois c'est bien défendu. Touriste de tir. Minde. Mielde. Minde. Engen. Erlovsen. Rayton. Erlovsen qui a fait perdre le ballon. Rayton. Graham Hansen qui va pouvoir peut-être entrer mais il n'y a personne de la surface. Et le ballon est perdu par les Norvégiennes et dégagé par les Sud-Coréennes. Et ça revient sur Mielde qui rentre son contrôle et qui concède la... Non, qui obtient la touche, pardon. J'étais persuadé que c'était l'inverse. On voit rien du tout. Merci, la caméra de suivre. Engen, non, 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 ce serait un 6 mètres pour la Corée du Sud. On va voir le but de Yo Min-ji. Ça fait deux fois que les buteuses du soir ont marqué sur leur première tentative. Quand même, la Norvège n'est pas du tout dans son match pour l'instant, hein, ça. C'est quand même très bizarre. Lee Jung-min, non, l'interception de Rayton, Borissa. Contrée, le ballon est perdu avec Lee Jung-min. Chi So-yoon. Chi So-yoon avec Kang Chi-ri maintenant, le bon retour de Mowold. Mielde. Le ballon loin devant pour évacuer le danger. Rayton, Erlovsen. Minde.
Toris Doty, Rengen, Mielde, Mowold, Kramansen, Hutland, Rengen, Kramansen, non, le bon retour encore une fois de la défense sud-coréenne. Moonmira, Lee Jung-min, interception de Toris Doty, Mielde, le ballon loin devant, non, Hutland qui a été visé, mais c'est bien défendu par la défense et c'est encore dégagé. Touche à suivre pour la Norvège. Borissa. Mielde. Engen. Toris Dottir. Long ballon pour Binde. Hors jeu. Oui, on va voir ça. Oui, largement. Et rien à dire. Plus que hors jeu. Pas grand chose à dire. Risque de tir. Inde. Borissa. Hutland. Kramansen. Hutland peut-être en fait une occasion pour la Norvège après 40 minutes de pression. Non, directement sur Kim Min-jung. Qui n'avait pas grand chose à faire depuis le début du match et qui a enfin un arrêt à effectuer. Borissa. Engen. Kramansen. Erlovsen. Oh, la parade de Kim Min-jung. Ce missile de Caroline Erlovsen. Et corner pour la Norvège qui se réveille enfin après 41 minutes de jeu. Quelle frappe de Caroline Erlovsen, mais non. Malheureusement pour elle, il y a Kim Min-jung qui était parfaitement vigilante sur ce coup-là. Et qui est un peu furieuse contre sa défense. Le corner pour la Norvège qui a peut-être enfin bonne occasion. La tête et ça passe juste au-dessus. Et nouveau corner pour la Norvège. Voir l'arrêt de Kim Min-jung sur ce missile d'Erlovsen. On est déjà son deuxième arrêt, mais le premier était très facile, donc celui-là il compte quand même plus. D'accord, merci. Pas fini de ralentir, on avait le temps. Et le corner, la tête de Toris Dottir qui passe juste à côté. La Norvège commence enfin à toucher les ballons, à avoir des occasions, mais malheureusement pour elle, ça ne rentre pas pour l'instant. La Corée du Sud tient parfaitement le coup pour le moment. Après une superbe parade de sa gardienne et une occasion qui passe de justesse à côté. Il va falloir faire mieux que ça en seconde période pour la Norvège si elles veulent espérer arracher les 3 points. Parce que pour l'instant c'est très très mal embarqué. Pourtant pour l'un des pays favoris pour cette Coupe du Monde. Reiten. Kramansen. Reiten. Le bon ballon par Erlovsen qui est bien lancé. Encore la parade de Kim Min-jung. Ce sera encore un corner pour la Norvège. Et les députés Erlovsen. Il y avait hors jeu. Oh. Ah ben oui, il était bien hors jeu. Erlovsen, dommage. C'est Isabelle Erlovsen, je me suis trompé. Ça aurait dû être un corner, mais vu qu'il est hors jeu, ce sera finalement un coup franc pour la Corée du Sud. Décidément. Un excellent pressing, 4 minutes traditionnelles dans cette fin de première période et 2-0 pour la Corée du Sud. Attention, Lee Jung-min parfaitement lancé. Il se débarrasse de Min-jae, le centre, il n'y a personne à part une origine. Kramansen, non, qui ne récupère pas le ballon, utilise Oyun. Moonmira, le troisième. Et ça fait 3-0 pour la Corée du Sud. Mais qu'est-ce qui se passe du côté norvégien? Qu'est-ce qui se passe du côté norvégien qui prend la poussière? 3 buteuses différentes pour la Corée du Sud et toujours aucun arrêt à l'effectif de Yelmset. Il se passe vraiment quelque chose de bizarre ce soir. Au stade Auguste Delaune de Reims. La Norvège qui est passée pourtant très près du 2-1 tout à l'heure. Et bien non, c'est le 3-0 finalement. Et Moonmira tranquillement qui peut pousser le ballon au fond. Et 3-0 pour la Corée du Sud. Alors la Norvège va se faire mousser dans les vestiaires, ça c'est sûr. Les Norvégiens vont passer à sale quart d'heure dans les vestiaires à la mi-temps. Il reste encore 30 secondes, mais décidément. Ballon perdu, mais ça va pas durer. Et mi-temps. Voilà, mi-temps ici. Et 3-0. Oui, vous ne rêvez pas. 3-0 pour la Corée du Sud. Contre la Norvège qui a littéralement été
totalement muette sauf en fin de première période, mais ça n'aura pas duré longtemps. 3-0 pour la Corée du Sud, c'est quand même assez inattendu. Allez voir ça, 4 tirs pour 3. 4 tirs sud-coréens, 3 tirs norvégiens. Pourtant, on a 3 qui ont fini au fond pour la Corée et aucun pour la Norvège. Début de cette seconde période de ce match à sens unique pour l'instant du côté sud-coréen. Pas de chance pour la pause, ce qui m'étonne. Et bon, si l'entraîneur croit en ses joueuses encore, il a le droit. Et pour l'instant, c'est mal embarqué pour la Norvège. Il va peut-être finir 3ème finalement. Attention à la frappe! Enfin, l'arrêt de l'IM7. La frappe manquait de puissance. Yeonmi, Cho Soyoun, Ji Soyoun, Bunmira, Ji Soyoun. Kang Sherim parfaitement lancé, il n'y a pas hors-jeu! Et si, finalement hors-jeu. De Kang Sherim. Ah, le hors-jeu. Aussi du côté sud-coréen. Ça se joue à 2 cm. Il y a bien le bras et la jambe qui est passée. Il va falloir sortir. Il va falloir sortir bien hors jeu du côté norvégien pour cette seconde période parce que c'est très mal parti. Et Bindegui n'arrive pas à passer. Excellente défense coréenne pour le moment. Touriste de tir. Mieldé. Borissa. Graham Hansen. Utland. Graham Hansen, ça passe au-dessus. Pour Caroline Graham Hansen, ça ne veut toujours pas entrer. Il y a un changement à la sortie de Mounmira et l'entrée de Limina et la sortie de Borissa. Sortie de Vildé Borissa à l'entrée de Thérèse Asland. Et enfin, les changements qui arrivent, surtout du côté norvégien qui sont plus attendus. Le ballon va être encore pour la Corée. Chang Zelji. Interception d'Engen, Rayton, Toris de tir, Engen, Mieldé, Asland, Graham Hansen, Utland qui cherchait une solution, c'est bien fait avec Graham Hansen. Le centre, Rayton était tout seul, mais il y avait une défenseur devant, et c'est la défenseur qui a les mots. Et la Corée qui part encore en contre-attaque, Shin Dam Yeong, Kim Do-hyun. Jizoyun, ça ne passe pas face à Rayton, mais qui perd le ballon. Attention, quatrième but, peut-être sud-coréen avec cette action. Yominji, Kang Sherim contré, c'est pas fini la frappe qui passe juste à côté de Jizoyun. Et un nouveau changement à suivre. La sortie de Kang Sherim et l'entrée de King Yumi et la sortie de Marie Lisa-Utland. Lisa Marie-Utland, à l'entrée d'Amali et Clard. On va faire les changements à chaque fois en même temps. Bon, ça sera plus vite. Utland qui a été totalement transparente. Que ce soit en attaque ou en centre. Dans ce match. Attention, le bon ballon perdu. Récupéré par les Norvégiens. Graham Hansen qui en fait trop et qui ne passe pas. Alors qu'il y avait du soutien. Elle a mal joué son coup. Caroline Graham Hansen. Mais c'est récupéré quand même par les Norvégiens de ce ballon. Eklund en bonne position pour centrer. Repoussé encore. Kang Yumi, Jizoyun, attention à l'interception d'Engen, Asland, Graham Hansen, Erlovsen, qui cherchait Eklund, c'est fait, la parade encore de Kim Min-jung. Mais quel match de la gardienne sud-coréenne ce soir face à la Norvège, ça ne veut pas entrer, hein, décidément. Une fois que le sort à l'arrêt de grande classe, Kim Min-jung. Le corner pour la Norvège, c'est la sortie des Yobiji, l'entrée des Sean. Ouais, et on a la sortie d'Erlovsen à l'entrée de Torsnes. Attention à la frappe des Clans qui passe à côté. Il n'y a plus de changement pour les deux équipes. On ne les a pas vus, mais bon, on a pu les lire. Ça a été détourné ce ballon. Ça a été touché de nouveau corner. Mais pourtant, on a très bien vu que le ballon était touché. Alors là, s'il y a 6 mètres, je ne comprends plus rien. Ah bah, décidément. La Coupe du Monde est pleine de surprises. La Norvège. Peut-être pas si tranquille que ça. L'interception de Graham Hansen qui est toute seule, mais s'il y a du soutien, la frappe et le but de Caroline Graham Hansen. Reste encore 20 minutes à la Norvège pour revenir au score. Ça y est, enfin le mur coréen est tombé. Et c'est grâce à Caroline Graham Hansen que la Norvège peut encore espérer égaliser ou même mieux dans cette rencontre, mais il va falloir accélérer.
Allez, une grosse erreur défensive là, elle était trop laxiste la coréenne, et bah forcément Caroline Graham Hansen qui en profite. Qui peut déclencher cette frappe surpuissante. Cette fois-ci, ouais, Kim Min-jung la touche pourtant. Mais malheureusement ça rentre. Mais voilà, la Norvège réussit enfin à trouver le chemin des filets. Après 1h10, sous pression. Attention, les 20 dernières minutes risquent d'être très intenses. Peut-être même que la Norvège va réussir l'exploit de remonter après avoir été malmenée pendant 45 minutes en première période. Jisoo Yoon s'est contré et le ballon n'est pas récupéré par les Norvégiennes. Chowa Yeon, Jisoo Yoon, on l'a vu le poteau. Le poteau qui sauve la Norvège du 4-1. Serait-il doublé de Jisoo Yoon surtout? Elles s'en sortent bien, hein. Les Norvégiennes, elles sont chanceuses. Que le 4-1 est tout proche. Cho So-yoon, Ji So-yoon. Non, cette fois, ça manque de puissance. Aucun problème pour Yelm 7. Engen. Engen qui ne passe pas face à Jang Seol-ji, mais elle rate sa passe. Asland. Touriste de tir. Engen. Thorsness. Hayton. Non, pour retour de la défense. Mais la passe ratée. Et la passe ratée aussi du côté norvégien. Mais si ça fait ça jusqu'au bout, on va pas s'en sortir. Lee Jung-min. Jang Zel-ji. Bon, retour de Bindé, mais qui ne suffit pas. Lee Jung-min contré. Les Norvèges ne partent pas en contre. C'est assez surprenant. Engen. Touriste de tir. Enfin, ils ont compris qu'il fallait envoyer le ballon devant. Ekland. Asland. Graham Hansen parfaitement lancé, il y a du monde à la surface, elle va pouvoir peut-être centrer. Centre, repoussé. Et Kang Yumi qui peut partir en contre. La passe est interceptée, Asland. Graham Hansen, le centre, il n'y a personne. Kim Do-hyun qui joue avec le feu devant Thorsness, elle perd le ballon. Thorsness, le poteau. Le poteau qui sauve la Corée du 3-2. Mais ça fait un poteau partout, balle au centre. Jisoo Yoon. Donc c'est le G, Kim Do-hyun, Jisoo Yoon, Cho So-yoon, le long ballon devant pour Kang Yumi, c'est bien fait, le bon retour des clans qui donne entrée à sa gardienne. Qui envoie le ballon loin devant, elle a compris, elle perd le ballon de Reiten, pour le bon retour, touriste de tir, et Minde qui peut partir en contre. Engen, elle a passe complètement ratée, le ballon rendu trop facilement à l'adversaire. Son Wayon. Ça ne passe pas, c'est bien défendu. Thorsness, Asland, touriste de tir, Engen, touriste de tir, le long ballon devant pour Ekland. Non, c'est dégagé, mais ça revient sur Asland. Ekland, Asland, Ekland, Graham Hansen. Il reste encore 3 minutes de jeu, à falloir se dépêcher du côté norvégien. Ça veut l'égaliser, même si ça semble compliqué. Ekland, Mowold. Le centre pour Asland, ça passe juste à côté. Ah ben quand ça veut pas, ça veut pas, hein, du côté norvégien, décidément. Ah non, ça veut toujours pas, ça veut pas rentrer pour cette fois-ci. Décidément. Ce match est loin d'être terminé, même si on est tout proche de la fin. On aurait pu avoir un 3-2 si le poteau n'avait pas sauvé la Corée. Et on aurait pu avoir un 4-1. Pour la même chose, pour la Corée, bien sûr. Cho So-yoon. Imina. Ji So-yoon. Ji So-yoon. Et 3 minutes encore à jouer. Et la Corée est bien partie. Pour s'imposer. Elle a fait surtout failli marquer un quatrième but. Et c'est à côté. Et la Norvège va subir sa deuxième défaite consécutive. Après son match contre la France mercredi dernier. Décidément, mauvaise semaine là. Deuxième mauvaise semaine consécutive pour la Norvège. Lee Jung-min. Son Wayon qui va pouvoir centrer peut-être. Non, le bon retour, mais c'est pas fini. Lee Jung-min le centre. Et là, non, c'est dégagé. Ce sera un corner pour la Corée du Sud. Et on en restera là. Et la Norvège va s'incliner pour la seconde fois consécutive. C'est pas
Une bonne fin de groupe là pour les Norvégiennes qui avaient pourtant très bien commencé. Le corner, le dernier corner du match sans doute. Peut-être pour le 4-1. Non, c'est dégagé. Et voilà, non, l'arbitre continue. Chisoyun, Limina, Jang Zelji, le centre, Poli Jumin. Non, c'est bien défendu. C'est pas fini, on puisse contrer. C'est toujours pas terminé. Et hors jeu, même si le match devrait se terminer, parce que là, ça fait 3 minutes de plus. Alors là, le hors jeu, ouais, bon, là, c'est un peu exagéré. De toute façon, elle est couverte, donc il n'aurait pas dû y avoir hors jeu non plus. Allez, on va rester là pour, le dégagement de Yelmset. Toujours pas, bah, qu'est-ce qui se passe là quand même? Et c'est fini, victoire de la Corée du Sud contre la Norvège, 3 buts à 1. Excellent match des Sud-Coréennes, même si la Norvège aurait bien pu inscrire un deuxième but. Mais malheureusement pour elle, c'est le poteau qui nous en a empêchés. Et la Corée du Sud qui peut bien savourer sa victoire pour son dernier match, qui finissent très bien leur Coupe du Monde. Même si ça va être compliqué pour se qualifier. Allez, on s'arrête là pour ce match. Et on se retrouve tout de suite pour Nigeria-France. A tout de suite.